Non, je ne pourrais jamais vivre sans toi. Je ne pourrais pas, ne parle pas, j'en mourrais. Je te cacherai et je te garderai. Mais mon amour ne me quitte pas.
merci. Merci beaucoup, mesdames. Messieurs, je suis tout à fait joyeux, heureux d'être là ce soir avec cet orchestre national d'Île-de-France qui est magnifique, avec qui nous allons enfin beaucoup travailler. Je vous adore. Vous avez été super, vous le serez toujours. Merci d'être là. L'Orchestre national d'Île-de-France. On était 42. Thank you.
Merci pour continuer le concert. Voici maintenant, je voudrais vous présenter une partie de la partition d'un film anglais qui s'appelle Wuthering Heights, Les Hauts de Hurlevent, que j'avais enregistré il y a quelque temps. En voici une petite partie. Thank you.
Je vais vous présenter des extraits de La vie de château, Les mariés de l'an 2 et du Sauvage, les films de Jean-Paul Rapneau. Thank you.
au piano. On fait ça là-bas. Ça fait très pianiste. Surtout à Playel. Merci. Maintenant, je voudrais vous jouer une partie du score de la musique que j'avais écrite pour le film de Joseph Losey, qui a eu la Palme d'Or à Cannes, qui est Le Messager, de Go Between. J'ai demandé à une harpiste tout à fait extraordinaire, une femme magnifique, qui joue comme je n'ai jamais entendu jouer de la harpe jusqu'à aujourd'hui. Voici qui va s'avancer, j'en suis sûr, Catherine Michel. Voici Le Messager. Thank you.
Thank you.
Suite symphonique tirée d'un film pour la télévision que j'avais fait il n'y a pas très longtemps, qui s'appelait La bicyclette bleue. C'est une saga, une longue histoire avec toute la guerre, tous les gens, la naissance, des morts. Voici donc les drames successifs de La bicyclette bleue. Thank you.
passer un medley d'une partition d'un film que j'avais écrit pour Barbara Streisand. La première chanson, c'est au début du film. Elle vient de perdre son papa. Et alors, elle sort de chez elle, comme ça. La voilà dehors, et tout à coup, la nuit tombe. Bon, je reprends. La nuit tombe, vous voyez, la nuit tombe très 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 doucement. À Pleyel, voilà. La nuit vient de tomber. Donc, je disais, elle est dehors, comme ça, elle pense à son papa. Et tout à coup, un petit rayon de lune, hop. Mais non, mes enfants chéris, c'est pas rose une lune. Un petit rayon de lune. Ah, voilà, c'est bien, voilà. Et elle chante, Papa, can you hear me? God, oh God, may the light of this flickering candle illuminate the night the way your spirit illuminates my soul. Can you hear me? Papa, can you see me? Papa, can you find me in the night? Papa, are you near me? Papa, can you hear me? Papa, can you help me not be frightened? Looking at the sky, I seem to see a million eyes which want fire. Where are you now that yesterday has waved goodbye and closed its doors? The night is so much darker, the wind is so much colder, the world I see is so much bigger now that I'm alone. Papa, please forgive me, try to understand me. Papa, don't you know I have no choice? Can you hear me praying anything I'm saying? Even though the night is filled with voices, I remember everything you taught me, every book I ever read. Can all the worksheets, all the books help me to face what lies ahead? Trees are so much taller, and I feel so much smaller. The moon is twice as lonely, and the stars are half as bright. Papa, how I love you. Papa, how I need you. La première chanson que j'ai jamais écrite quand j'étais vraiment très 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 jeune, il y a 10 ans, c'est la valse des lilas. Voici la valse des lilas. Le fais, un souvenir qui
n'était plus qu'un regret. Sans un ami et sans autre secret qu'un peu de larmes. Pour ces quelques pages de mélancolie, tu as fermé le livre de ta vie. Et tu as cru que tout était fini. N'en finirons jamais de faire la fête au cœur des gens. Qui sait, que tournera le temps jusqu'au dernier printemps. Le ciel aura 20 ans. Les amoureux en auront tout autant. Tout autant.